Salut, c'est Elias et j'espère que tu vas bien. Alors, est-ce que c'est possible de construire une agence qui génère 10 000 euros par mois en seulement 14 jours? Eh bien, dans cette vidéo, je vais te donner mon point de vue parce qu'on voit beaucoup de plus en plus sur YouTube, sur Instagram, sur les réseaux sociaux, des pseudo-formateurs qui te disent, voilà, construis ton agence de 0 à 10K par mois en seulement 30 jours, en seulement 14 jours, en seulement 40 jours, ou voilà, c'est des grosses promesses. Donc voilà, pour atteindre ce niveau-là en très très peu de temps. Et ce qui m'a donné l'idée de faire cette vidéo, c'est que j'étais hier en train de regarder des vidéos sur YouTube en anglais, voilà, parce que enfin, je regarde principalement des vidéos anglophones. Et là, j'étais targeté par une publicité YouTube d'un pseudo-coach, un pseudo-formateur, bon, c'était américain dans ce cas-là, qui avait comme promesse, en fait, il vendait une formation qui va te permettre d'aller de 0 à 10K par mois en seulement 14 jours. T'imagines, la durée, c'est hyper, hyper rapide. Et ben en fait c'est juste un arnaqueur qui veut juste vendre sa formation sur le SMMA. Parce que il faut pas oublier en fait la plupart de ceux qui vont te targeter avec de la publicité, que ce soit sur YouTube, sur les réseaux sociaux, etc. C'est que je dis pas tout le monde, hein, mais 90% ils font de la merde. Donc en fait ils ont essayé de faire une agence, ça n'a pas marché pour eux. Du coup ils ont créé une formation sur comment créer une agence. Comme ça, ils vont pouvoir vendre les formations. Donc voilà, leur business, c'est vendre des formations alors qu'ils n'ont jamais eu une agence à succès. Et voilà, la plupart, ils vont juste faire de la pub directement. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils n'ont pas assez d'expertise pour créer une chaîne YouTube, voilà, apporter de la valeur aux gens, etc. Parce que tout simplement, ils n'ont pas de valeur. Ils ont juste fait un copier-coller d'une autre formation aux US ou ailleurs. Et voilà, ils essaient de la vendre à 1 000 balles, à 2 000 balles, à 3 000 balles avec un coaching. Voilà, juste comme ça. J'ai même vu une publicité sur Facebook d'un Américain également qui te dit qu'il va créer pour toi ton agence et il va te la donner clé en main. Alors à ce niveau-là de l'arnaque, franchement, il faut être chaud. Parce que déjà, pour créer une agence pour quelqu'un, bah, c'est déjà très très difficile et je ne pense pas qu'il va arriver à le faire. Deuxièmement, même si je te crée une agence qui génère par exemple 10 000 euros par mois et je te la donne, bah, t'as pas les compétences pour maintenir ces clients-là, t'as pas les compétences de leur apporter des résultats et en plus t'auras pas les compétences de prospecter et de vendre pour de nouveaux clients. Donc tu ne vas pas pouvoir acquérir de nouveaux clients et en plus tu vas perdre tes clients actuels. Donc voilà, ton agence, imaginons je te donne une agence qui génère 10K par mois, bah, dans quelques semaines, quelques mois, tu vas revenir à zéro parce que tu n'as pas les compétences. Parce que déjà pour construire une agence, il faut déjà pas mal de compétences, il faut un changement de mindset, voilà, il faut beaucoup de bases. Déjà rien que pour créer une agence et en plus pour la maintenir, voilà, c'est assez compliqué, tu peux pas donner ça clé en main à n'importe qui. Parce qu'en fait, on ne s'improvise pas comme entrepreneur, comme businessman. Voilà, pour être entrepreneur, il faut déjà bien se former, mais surtout appliquer, apprendre avec l'expérience. Et voilà, changer ton état d'esprit, changer tes mauvaises habitudes. Et voilà, c'est pas quelque chose qui se fait en un claquement de doigts. Ça peut prendre des semaines, des mois pour quelqu'un, chez certaines personnes qui sont pas dans le mindset d'un entrepreneur. Donc, tu connais mon avis, pour passer de 0 à 10K par mois en seulement 14 jours ou même 30 jours, je te dis, c'est quasiment impossible. Peut-être sur une personne sur 1 000 qui se lance, mais voilà, c'est des exceptions. Mais dans tous les autres cas, c'est impossible. Pourquoi? Parce que déjà, pour pouvoir gagner 10 000 euros par mois, il faut déjà avoir des compétences que tu peux vendre à 10 000 euros déjà. Donc voilà, par exemple, à 10 000 euros par mois, si on fait par exemple 5 clients à 2 000 euros, déjà il faut avoir la compétence par exemple de Facebook Ads ou de Google Ads pour pouvoir facturer aussi cher. Alors que si tu es complètement débutant, tu n'as pas cette compétence-là, bah, c'est impossible. Également, il faut avoir la compétence de la prospection, de savoir comment prospecter efficacement. Également, la compétence de la vente. Il faut savoir comment bien vendre. Si tu n'as aucune expérience dans la vente, t'as pas été commercial ou rien du tout, et que tu te lances, bah, tu dois l'apprendre. Comme moi j'ai fait, par exemple, moi j'ai commencé de zéro. J'étais dans une école d'ingénieur. Ça n'a rien à voir avec tout ce qui est commercial, rien à voir avec le marketing. Et j'ai dû tout apprendre sur le tas avec l'expérience. Donc pour avoir cette compétence-là, par exemple du trafic payant, et en plus, apprendre la compétence de la prospection et la vente, c'est impossible de les apprendre de zéro en seulement 14 jours ou même en 30 jours. C'est une très courte durée, c'est impossible. Donc, ne tombe pas dans le piège de ces vendeurs de rêves qui veulent juste vendre leur formation à tout prix.
Parce que tu le sais déjà, la plupart d'eux, ils n'ont jamais eu d'agence, ils n'ont jamais signé de clients, ils n'ont même jamais prospecté. Ils ont juste voilà, construit une formation et ils vendent cette formation-là, tout simplement. Ils n'ont aucune compétence, aucune expertise, aucune expérience. Ils font ça juste pour voilà, arnaquer les débutants qui commencent et qui se lancent, voilà, en louant des villas, voilà, en louant des voitures de luxe, en montrant un lifestyle de rêve, entre guillemets, sur Instagram, sur les réseaux sociaux. Mais voilà, surtout ne tombe pas dans ce piège-là. Et ça, c'est valable pour tous les business en ligne. C'est pas juste le SMMA, que ce soit pour le trading, Shopify, voilà, dropshipping, Amazon FBA. Ils sont tous pareils. Donc, c'est la même méthode utilisée pour pigeonner les débutants. Également, ces pseudo-formateurs, ils ont recours à des faux témoignages. Donc, ça, tu le sais déjà peut-être. Ou voilà, des fausses interviews qu'ils achètent chez Forbes, etc. Voilà, un des membres d'un formateur qui est assez connu, je ne vais pas dire le nom, il m'a dit sur Instagram que voilà, le formateur, il postait régulièrement sur Instagram dans les stories plusieurs témoignages, alors que dans le groupe Facebook privé de la formation, il n'y a personne qui a posté, il n'y a même pas de réponse. En fait, l'étudiant, il poste des questions sur le groupe et le formateur, il s'en bat les couilles, il s'en fout carrément de ses étudiants, il répond personne. Et par contre, derrière, il poste des faux témoignages sur Instagram, comme ça il va attirer de nouveaux gens pour acheter sa formation de merde. Et il m'a dit qu'il n'y a aucun support client, c'est-à-dire en fait, quand tu lui envoies des questions à propos de la formation, là il te répond en quelques minutes pour essayer de te vendre la formation. Mais une fois que tu as acheté sa formation, il s'en bat les couilles. Tu lui envoies un message, il te répond plus, voilà, ou bien en dans 3 ou 4 jours, voilà, il s'en fout carrément. Deuxième chose que font ces pseudo-coachs, pseudo-formateurs, c'est dire le résultat, poster le résultat avec des pseudo-preuves. C'est même pas des preuves. Par exemple, il va te montrer des screenshots. Par exemple, il va te dire aujourd'hui j'ai gagné 10 000 euros en SMMA, j'ai signé un client à 10 000 euros. Et il va te mettre un screenshot ou bien une photo d'un PDF de son relevé bancaire. Voilà, sur la vidéo, quelque part, il va te le montrer. Bah, ne crois surtout pas à ça. En fait, tout est falsifiable. Je dis pas que c'est forcément faux, mais ça peut être faux. Tu vois, c'est falsifiable avec Photoshop, un petit coup de Photoshop, et ça passe très bien. Également, pour ceux qui te montrent des résultats sur Shopify, bah, c'est facile de passer des fausses commandes sur Shopify et voilà, montrer que tu as généré. Regardez, j'ai gagné 1 million d'euros en dropshipping, alors que la boutique, enfin, ils te montrent le dashboard avec des fausses commandes. Également, Stripe, voilà, ça c'est très important. En fait, ils vont te montrer leur compte Stripe, par exemple sur leur téléphone, ils vont te montrer, et regarde, je rafraîchis mon compte Stripe, regarde, j'ai gagné 100 000 euros. Alors ça, il faut pas le croire. Pourquoi? Déjà, les comptes Stripe, s'ils gagnent par exemple 100 000 euros, ils te le montrent sur Stripe. Et eh ben, c'est généralement c'est le Stripe de la formation. Donc en fait, ils vendent des formations en utilisant Stripe comme processeur de paiement et il va te montrer ça il va te montrer son dashboard de formation comme ça. Il va te dire voilà, je gagne en signant des clients alors que c'est pas l'argent des clients, c'est l'argent des étudiants qui ont acheté la formation. Également, même si c'est pas un Stripe de la formation, en fait, il peut louer un compte Stripe. Oui. Tu l'as bien entendu, on peut louer un compte Stripe avec autant d'argent que tu veux dessus. C'est-à-dire, imaginons la personne, voilà, le formateur, le pseudo-formateur qui veut arnaquer des gens, voilà, il va dire par exemple, je gagne 50 000 euros par mois en SMMA. Allez, je dis un exemple, et puis voilà, il va te dire j'ai signé un client, 5 clients à 10 000 euros par mois. Et ben, qu'est-ce qu'il va faire en fait? Il y a des gens qui ont des comptes Stripe, qui ont plusieurs millions dessus. Il va aller chez ces personnes-là, il en existe plein, je vais pas te dire où. Voilà, c'est juste pour la prévention. Ils vont aller chez ces personnes-là, ils vont louer le compte Stripe, par exemple, juste 2 ou 3 heures, le temps de voilà, filmer la vidéo, dire oh, regardez, j'ai gagné 50 000 euros. Ce mois-là avec regardez mon Stripe, regardez la preuve. Voilà, il va te montrer juste le compte Stripe comme ça va être une preuve, comme ça tu vas le croire. Et après voilà, c'est pas son compte Stripe. Donc ne tombe surtout pas dans le piège. Un compte Stripe, c'est pas une preuve tangible. Donc ne crois pas à tout ce que tu regardes. Parce que n'importe qui peut prétendre gagner des millions d'euros et aller louer un compte Stripe avec quelques millions dessus. Il te montre, ouais, regarde, j'ai gagné 2 millions d'euros cette année-là. Regarde comment je suis fort, tu vois. Alors que le compte Stripe, il est même pas à lui, tu vois. Et quand je dis arnaqueur, c'est pas pour tout le monde. Bien sûr, il y en a certains qui sont vraiment honnêtes, qui ont vraiment des agences et qui coachent des gens. Bien sûr, il y en a une partie, je dirais 10%, mais les 90, ils n'ont aucune expérience. Ce sont juste des mythos qui veulent vendre à tout prix une formation, un coaching qui n'est pas du tout qualitatif.
Et maintenant, je vais te parler des arnaqueurs qui te démarchent sur Facebook, sur les réseaux sociaux, sur Instagram, etc. Donc moi, personnellement, j'en ai fait l'expérience. Je ne suis pas tombé dans le panneau, heureusement, mais je vais te raconter ça. En fait, c'était il y a 2 ans, quand j'ai débuté dans le SMMA. Bah, je rejoignais des groupes Facebook d'entraide, voilà, sur les agences marketing, etc. Ensuite, je me suis fait démarcher par un mec, je vais pas dire son nom parce que, en fait, il m'a envoyé un message. Il m'a dit, ouais, Elias, qu'est-ce que tu fais? Je lui ai dit, ouais, moi, je me lance dans le SMMA, j'ai signé mes premiers 3 clients. À l'époque, j'avais juste 3 clients. Il m'a dit, ah, d'accord, cool, moi, je suis à 20K par mois. Je me suis dit, wow, 20K par mois, c'est quelqu'un qui pèse dans le game. Ensuite, il m'avait dit, est-ce que ça t'intéresse d'en parler au téléphone? Voilà, de vive voix, je lui ai dit, ok, pas de problème, on en parle au téléphone. Pendant l'appel, en fait, il s'est présenté et tout, voilà, on a discuté un peu. On a sympathisé. Et puis il m'a dit en fait que il gagne 20 000 euros par mois. Je lui dis mais comment c'est qui tes clients? Comment t'as signé d'aussi gros clients comme ça? Il m'a dit en fait il a signé Basic Fit, ouais, Basic Fit, Fitness Park, Century 21 et je me rappelle plus un autre groupe, mais genre c'est des grosses franchises. Et là en fait j'avais envie de péter de rire parce que enfin j'ai senti que c'est un gros mytho. Mais bref, j'ai gardé mon calme pour voir qu'est-ce qu'il va me proposer par la suite. Ensuite, il m'avait dit que si je voulais atteindre les mêmes résultats que lui, genre atteindre les 20K par mois, et ben, il propose un coaching à 2000 euros. Ils accompagnent avec son associé, ils accompagnent des débutants comme moi à atteindre ce chiffre d'affaires. Je lui dis, d'accord, cool, t'as Basic Fit, Century 21, ok, mais comment tu fais pour leur apporter des résultats? C'est quoi ton service? Et là, il m'a dit, enfin, il m'a répondu vaguement. Il m'a dit, on leur fait Facebook Ads, on leur apporte des prospects. Je lui dis, ok, cool, combien de prospects tu leur apportes par jour? Combien de prospects tu leur apportes par mois? Et combien de ces prospects-là, ils sont closés? Et là, il a commencé à bégayer. Il m'a dit, ouais, on leur apporte, j'ai pas les chiffres maintenant, je me rappelle plus. Donc voilà, le gars, c'est un mytho total. Donc je veux, s'il te plaît, ne tombe pas dans le piège de ces arnaqueurs-là. Voilà, si quelqu'un il t'envoie un message sur Facebook ou sur Instagram, voilà, pour te dire on discutait au téléphone, bloque-le directement. Je te conseille vraiment de le bloquer parce que c'est juste des pseudo-coachs. Et ça, c'est pas juste le SMMA, c'est même le dropshipping. Voilà, dernièrement, je crois, j'ai reçu des messages sur Instagram d'un gars. Il m'a dit, ouais, Elias, est-ce que tu t'intéresses au dropshipping? Moi, je fais du coaching. Ça te dit un appel avec moi. Bref, il y en a dans tous les domaines, que ce soit crypto, dropshipping, SMMA, peu importe. Il y a plein d'arnaqueurs voilà, qui veulent juste ton argent. Et tu sais, ce mytho-là, quand j'étais au téléphone avec lui, je lui dis, ok, mais si tu gagnes 20 000 euros par mois, pourquoi tu t'embêtes à prospecter des petits gens là sur Facebook, sur Instagram pour leur vendre un coaching à 1 000 euros ou 2 000 euros? Et là, tu sais, qu'est-ce qu'il m'a répondu? En fait, il a commencé à bégayer et ensuite il a coupé la conversation. C'est bon, il est parti et il m'a bloqué sur Facebook. Donc voilà, ne fais confiance à personne. Voilà, si la personne ne t'apporte pas de valeur, par exemple sur des vidéos YouTube, s'il n'a pas un background voilà, sur les réseaux sociaux, etc., s'il ne te montre pas son expertise, s'il te dit voilà, ouais, je gagne 10 000 euros, 100 000 euros par mois avec mon agence, et il ne te montre pas ses clients, il ne te montre pas ses chiffres, voilà, que son discours il tient pas trop la route. Ah ben, ne tombe pas dans ce piège-là, n'achète pas ses formations, s'il te plaît, n'achète pas ses coachings à la con. Tu sais, moi, sur cette chaîne, je l'ai faite pour te former gratuitement. Donc voilà, tu sais, sur ma chaîne YouTube, j'ai parlé de tous les sujets sur le SMMA, voilà, pour t'aider à signer tes premiers clients, à gagner de l'argent avec ton agence marketing. Donc tu peux te former gratuitement sur ma chaîne YouTube. Voilà, il y en a d'autres, mais voilà, moi j'essaie de partager mon expérience concrète avec toi. Je t'ai fait des études de cas, pour t'inspirer. Mais malgré tout ça, à mon avis, le SMMA ou créer son agence marketing, c'est le business qui va te permettre d'atteindre les 10 000 euros par mois de bénéfices le plus rapidement, comparé à tous les autres business, dropshipping, Amazon, etc. Parce que là, on parle sur ces business-là, ils te montrent que le chiffre d'affaires et pas le bénéfice. Donc voilà, à mon avis, c'est le meilleur business, c'est lui qui va te permettre de devenir libre financièrement le plus rapidement entre tous les business qui existent. Mais par contre, ça ne veut pas dire que tu vas devenir riche rapidement. Donc, pour te donner des délais qui sont plus réalistes, voilà, c'est les plus concrets, c'est ce que je vois moi sur le terrain le plus souvent. Et ben, pour passer de 0 à 10 000 euros par mois, il te faut minimum, mais vraiment je dis minimum,
3 mois. C'est-à-dire, si tu as déjà une compétence, donc voilà, tu as déjà une compétence soit en Facebook Ads, soit en Google Ads et que tu veux la vendre, ou bien tu as quelqu'un à qui déléguer ça, par exemple, si tu veux déléguer dès le début, et puis que tu as la compétence de savoir comment prospecter et comment vendre. Donc voilà, que tu es déjà bien formé, et ben là, à mon avis, tu peux passer de 0 à 10 cas par mois en 3 mois. Pendant ces 3 mois, là, tu vas voilà, prospecter, faire des rendez-vous de vente et closer des clients. Donc si pendant ces 2 mois-là, tu arrives à closer 5 clients à 2000 euros chacun, donc ça va te donner 10 000 euros par mois. Donc ça, c'est vraiment la durée minimum, à mon avis, c'est 3 mois. Ça peut prendre plus 4, 5, etc. Mais ça, c'est si tu es déjà formé et si tu as déjà voilà, des compétences nécessaires. Maintenant, si tu es un complet débutant, donc tu connais rien, tu n'as pas d'expérience en Facebook Ads, en Google Ads, tu n'es pas formé du tout, que tu n'as voilà, que t'as pas de compétences de vente, tu n'as pas un background de commercial, etc. Et bien là, à mon avis, ça doit prendre minimum 6 mois. Donc voilà, pour passer de 0 à 10K, il faut, à 10K par mois, il te faudra minimum 6 mois pour te former, surtout au début, et ensuite passer à l'action petit à petit. Voilà, ça c'est vraiment des estimations qui sont, voilà, qui sont très faibles. Voilà. Mais pour être encore plus réaliste, bah, peut-être ça va te prendre 7 mois, 8 mois, peut-être 1 an. Mais franchement, entre nous, ça vaut vraiment le coup parce que déjà 10 000 euros par mois, même si tu l'atteins en 1 an, donc voilà, même si 1 an, voilà, ça te paraît très lent pour atteindre les 10 000 euros par mois, bah crois-moi, ça vaut le coup. Pourquoi? Parce que si tu te compares à un médecin, par exemple, le médecin, lui, il fait 9 ans d'études après le bac, voire même plus, je crois, même 12 ans, 10 ans, allez, on va dire 10 ans d'études après le bac. Donc, il passe 10 ans à étudier pour à la fin avoir un salaire de 4 000 ou 5 000 euros par mois, tu vois. Un ingénieur, il va étudier 5 ans après le bac, donc c'est déjà 5 ans, et à la fin, il va être payé 2 000, 3 000 euros maximum par mois. Donc voilà, si tu atteins les 10 000 euros par mois en seulement 1 an, tu es déjà mieux que 99,99% des gens qui t'entourent. C'est vraiment exceptionnel. Je sais qu'on essaie de te mettre plein les yeux avec ces vendeurs de rêves sur YouTube. Ouais, je gagne 100 000 euros par mois. Et le mec, il te montre sa vie en train de voyager entre Dubaï et les Maldives ou à Bali, tu vois. Et voilà, toi, dans ton esprit, dans ta tête, tu te dis, ouais, 100K, si j'arrive pas à 100K, c'est que je suis trop nul. Non, non, je te dis, je t'arrête là. Atteindre 10K par mois en 1 an, c'est déjà très bien. Donc, j'espère que tu as aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'oublie pas de me laisser un petit like. Ça m'aidera beaucoup, en fait, à propager ce message-là partout sur YouTube. En plus, si tu veux savoir comment moi, je suis passé de 0 à 10K par mois, voilà, sans te vendre du rêve ni rien de tout ça, eh bien, dans le premier lien dans la description, tu vas voir une étude de cas totalement gratuite. C'était Elias et je te dis à la prochaine. Thank you.